Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte du deuxième DLC de Dead Island 2 qui s'appelle Sola. C'est festif, ça a l'air bien sanglant comme on aime. Moi j'ai adoré Dead Island. Le premier DLC était plutôt sympa, on va découvrir le deuxième. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous en avez envie. Attention, le jeu est déconseillé au moins de 18 ans et sans plus tarder, eh bien on est parti. Bienvenue à Sola, petite arbalète. Alors je sais plus du tout voilà comment on utilise les armes. C'est ça qui est un petit peu relou quand tu joues à un jeu et que t'arrêtes d'y jouer pendant un moment. Tu sais plus vraiment comment ça fonctionne. On va redécouvrir ça ensemble de toute façon. On n'est pas pressé. Et cela, c'est une sorte de festival qu'ils ont voulu introduire. En espérant que ça se passe bien. Là, le jeu est toujours aussi beau. Hein. J'ai vu pas mal de personnes le critiquer, ce jeu. Dead Island 2. Moi, à titre personnel, j'ai vraiment adoré. L'un de mes coups de cœur. Là où j'ai beaucoup de mal à jouer à Daylight, parce que bizarrement quand j'y joue, il me fait mal à la tête, ça bouge trop, etc. Bah, Dead Island, il m'a permis d'y jouer. Et j'ai beaucoup aimé. Après c'est sûr que si vous avez une attente très forte après 10 ans de développement, qu'il y a eu des problèmes, etc. Waouh, c'est... Bon appétit, hein. C'est bizarre, mais... Sola, let's go, rock'n'roll. J'espère que vous allez bien. Alors lui ou elle là, je sais pas qui c'est. Allez, c'est comme ça que ça commence là. Et pour ceux qui se posent la question, le jeu est jouable en coopération. Voilà, si vous avez des potes ou des inconnus, si vous n'avez pas de potes avec qui jouer, eh bien c'est possible de faire le jeu. Par contre pour les DLC, il me semble qu'il faut avoir une édition haute. Voilà, c'est pas en ayant le jeu sur le Game Pass ou en achetant l'édition simple que vous pouvez y jouer. Ah oui, nous les barbelés, qu'est-ce qu'on fait? On saute par-dessus. Oh, c'est pas terrible. Bonjour, quelqu'un? S'il vous plaît. Hello? Anyone home? C'est Indiana Jones le truc. Eh, Indy, désolé, mais pas de temps à perdre. Voilà, le petit contre en bloquant. Après, je pense que elle, il faut peut-être l'attaquer à distance. À distance, oui, mais bien visé. Voilà, c'est intéressant aussi. Voilà, je le fais perdre ton chapeau. Oh là là, c'est quoi ça? Calme-toi! Dès le début, ils nous ont mis un boss. Enfin, un boss. Oui et non. Juste un ennemi. Qui est un peu plus costaud. Après, on a aussi un système de grenades. Mais je ne sais plus. Ah voilà, c'est comme ça qu'on les lance. Tiens, prends-toi ça. Là, tu peux plus bouger. En plus, il est P2. What? Superman Punch. Tu vas te calmer. Non, non, non. Toi, tu vas vite souffrir. Voilà, fusil à pompe, ça fait pas mal de dégâts. Par contre, je ne sais plus du tout. Voilà, comment on se donne du soin. Mais c'est bon. Eh, c'est quoi? Tu m'as énervé. Colère. Obligé.
On fait l'ulti. Bête et méchant. Par contre, imagine, t'en rencontres plusieurs des. Comme ça. Vite. Increvable. Après, je pense qu'il y a une technique. Hein. Je pense qu'il y en a une. Je sais pas c'est laquelle, mais. Oh là là, décapitation. J'avoue, le retour sur le jeu est pas évident du tout. Non, non, je m'en vais, mais tu m'as pris pour qui? J'ai failli mourir bêtement là. Attends. Ça, on peut mettre. Pourquoi pas. On va mettre le petit pistolet. Je me sens en sécurité avec. Ouvrez la porte là, tout de suite. Je vais mourir. Ouvrez. Merci. Ah oui, aussi, un truc qui était pas ouf dans le jeu, malheureusement, c'était qu'il était pas en français. C'est vrai que des fois, quand t'es concentré à jouer ou t'as envie de jouer de chill, bah, le fait qu'ils soient en VO, c'est une bonne VO, ça oui, je suis d'accord avec vous, mais ça manque d'un petit quelque chose. Faites de la place, tout ça. Désolé, je regarde un peu ce qu'il y a. Hein. Faut fouiller pour trouver des munitions du pistolet à clous. On s'en fout un peu. Allez. C'est jamais bon, ça. Descendre quelque part. Ah, ça aussi. Le casier, on l'ouvre. Allez, bois-moi ça. On prend tous les documents. Je vais te parler juste après. Vous savez comment ça se passe. Dès que vous arrivez chez quelqu'un, la première chose à faire, c'est de fouiller chez elle. Et ensuite, vous discutez avec. C'est la base. Maintenant, on peut parler. You can just turn right back around and leave the way you came. Hey, relax. I'm here to help. What are you? Psyop Super Soldier? You got alien DNA, don't you? You saw the way I smacked down that whippy zombie, huh? Name's Ryan. These broadcasts are a public service. Stay away from it. Away from what? The beat. The beat? Listen, I know some really nice people who could take good care of you. Okay, how does that sound? Right. Nutcase. Grace, just like always. Go and don't come back. Okay, fine. But you're coming too. I can't leave. Won't let me. With this beat? Okay, start from the beginning. You're not going to believe me. Try me. I have tried my whole life. People like you don't want to believe. You just want everything to stay normal. Yeah, well, I already fucked that one up. I am getting kind of used to weird, so you might as well hit me with it. It happened at the main stage. Headline act on the final night. 30,000 people dancing. Suddenly, there was this beat vibrating in my bones. It came from the speakers, but it was music. It was something more. People were screaming, holding their heads. They turned in seconds. They all turned. It was carnage. Zombies in the crowd. 30,000 people don't get bitten all at once. It was the beat. Oh, Jesus. And the strange glass speakers. They had this energy coming out of them. I can still hear it. Well, that is one hell of a story. What's your name? Grace. Okay, Grace. Well, I am gonna investigate. The beat will take you too. Oh, baby. I can move parts of my body to the beat like you wouldn't believe. Don't worry about me. Right. The beat's coming from the Indie Zone infusion point. But only a fool would go there now. Ok. Ah, tu sais quoi? On peut quitter tout ça et on va aller à La Belle et le Battement. Joli jeu de mots. Alors on a deux endroits où on peut aller. Examiner le battement en fusion et dans l'Indie. Bon, on va faire les deux. On va faire une vidéo qui va durer une petite demi-heure, c'est bien, pour se faire un avis. En tout cas, là, c'est... Dans le thème, ça me plaît sans doute plus que le premier DLC. Parce que l'idée était bien du premier DLC. Malheureusement, je trouve qu'ils ont... Ah, ils avaient un peu foiré...
La première heure était bien, mais pas vraiment le reste. Oh, what? Je suis perdu. Non, par contre, arrête, 2 secondes. Et j'ai complètement oublié de upgrade mes armes et de les rendre un peu plus solides. Là, elles sont... s'ouvrent de l'autre côté, ok. Elles sont un peu en fin de vie. C'est pas grave. Où êtes-vous? Salut toi, ça va? Voilà, j'avoue, cette arme-là, elle est lourde, mais quand tu touches, ça fait mal. Ah, ça aussi, c'est tellement plaisant. Par contre, eux, ils rigolent zéro. Hé, calme-toi. T'es joli, hein. J'ai dit t'es joli. Tu me fais ça? Franchement, j'ai l'impression de recommencer le jeu et de jouer en difficile. Non mais, alors il s'en va. Reviens, reviens, reviens. Je crois que c'est la fête. Je crois vraiment que c'est la fête, là, tu viens. Il est un peu relou, l'ennemi. Comme j'ai dit, quand t'arrêtes de jouer à un jeu pendant un moment, c'est dur de te souvenir des mécaniques. Et là. Allez, comme ça on passe niveau 25, c'est déjà ça. Trousse de soins, parfait. Bonjour. À qui le tour? Toi. Toi, tu vas goûter quoi, toi? Voilà, un petit marteau comme ça, là. Ça paye pas de mine. Et je vous le dis, ça fait mal. Après, le jeu est vraiment fait pour être joué à plusieurs. Hein. À 2, à 3. Tout dépend ce que vous préférez. Parce que seul, bah, t'es entouré de tout part. Alors là, ils disent quoi? Examiner les vêtements. On va essayer d'examiner tout ça. Bonjour. Et vous pouvez aussi la jouer un peu sneaky. Elle est jolie ta casquette. Je sais même plus si on peut attaquer par derrière les ennemis. Je crois plus. Hop là. On lui pète la cheville. Il peut plus bouger. Et on est bien. Là, vous pensez m'avoir. Oui. Une des enceintes est bizarre, il a dit. Le son problème de la platine de DJ. Ah bah voilà, fallait peut-être faire ça depuis le début. Désolé si on s'est baladé, hein. On a pris du temps, mais tranquille. Voilà, musique. Trouve un moyen de réparer la sono. Bah, logiquement, c'est ça. Après, trouve un moyen de réparer la sono. Ça marche toujours pas comme ça, on sait jamais. Hein. Fouillons tranquillement. Mais je vous ai dit de me laisser tranquille. Le bruit que ça fait, on dirait mon estomac quand j'ai mangé un truc bizarre. Moi, je partais du principe que dans un jeu comme ça, il faut suivre les câbles. Là, il y a les câbles, il y a les câbles. Ça nous mène ici. Il n'y a pas de... Quoique, ça ramène là, ça. Ouais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de logique. Toi, t'es pas mort. Maintenant, tu l'es. Vous êtes sûr? Appel de la saucisse. Ah, c'était juste ça qu'il fallait faire. Mais non. Et je vais pas vous mentir, j'ai tourné en rond pendant... je sais pas combien de temps... pour avoir... What? Qu'est-ce qui se passe là? Pour avoir un indice comme ça, aussi flingué, je suis déçu. Parce que j'en ai passé du temps. Alors dans cette découverte, vous aurez des coupures. Parce que les choses simples, je les comprends pas si facilement. Peut-être passer par là.
des fois, comme j'ai dit, les choses simples sont sous notre nez et on n'y fait pas trop attention. Bon, je pense pas que c'est par ici. Donc faut revenir à cet endroit et il faut trouver les autres indices. On va essayer, hein, tranquillement mais sûrement. Il est flippé. Je m'y attendais pas. Bonjour. J'étais en train de chercher une nouvelle fois comment augmenter les pourcentages pour réparer la sono. Je sais pas, il y a... J'ouvre une porte, on tombe dessus normal. Tellement je m'y attendais pas, je transpire. Bien joué, bien joué. On a un couteau. Ah bah voilà. Ah, je pense qu'il faut juste fouiller hein, à 45. Faut fouiller un peu partout et au bonheur la chance, tu vas augmenter des pourcentages. Donc là, il y aura beaucoup de coupures. Je vous montre les emplacements au cas où si vous aussi vous galérez à trouver... Ah bah tiens, 80%. Ça a vite augmenté. Maintenant, il faut trouver les 20 derniers pourcents. J'espère que ce sera pas trop une galère parce que j'avoue... C'est pas ce à quoi je m'attendais. Je pense avoir trouvé les 20 derniers pourcents. Il y a une vitre, il y a du monde dedans. Salut toi. Voilà, un petit coup de pied. Le double pied. En fait, c'était une bonne recherche. C'était pas si mauvais. Et c'est juste... C'était pas évident. Je pense que beaucoup de personnes vont galérer ou pas. Après, peut-être par chance... Vous allez trouver directement les emplacements. Moi, j'avoue, j'ai passé beaucoup de temps. Oui, il faut ce qu'il faut. Hein. Amplifier les battements. Ah, c'est bon, là. Voilà. Ça, c'est ouvert. Ce qui est bien, c'est qu'on a récupéré beaucoup de trousses de soins. Amplifier les battements, version remasterisée. T'inquiète, les remasters, moi, ça me connaît. Let's go, mettez le son à fond, les amis. Voilà, ça veut dire ils vont tous venir. Et il faut les défoncer. T'inquiète, je m'occupe des zombies. Alors, je vais m'occuper de beaucoup de personnes. Calme-toi. Ils sont pas si forts, eux. Ils sont juste un peu relou par moment. Ouh, oh le contre. Magnifique. Bim, voilà. Vous voyez, c'est pas des... comment on appelle ça? C'est pas des enquêtes, c'est pas des... Trouver des petits trucs, documents. Non, ce qu'on veut, c'est se battre, découper, démembrer, les fumer. C'est ça qu'on veut. Regardez-moi ça. Écrasement. Allez, voilà. Attends, j'avais dû me sauter dessus. Attraper la sphère. Bah, attends. Et maintenant... Et faites le ménage. Oh, on peut taper avec. Attends, attends. J'espère que j'ai pas perdu la sphère, là. Allez, là. C'est bon. Bah, d'abord... Je vais faire le ménage et ensuite je le récupère quand on n'est pas dans une bonne zone. Oh là là, non, pas lui, pas lui. Tiens, oh, magnifique ça. Lui, pour bien attaquer, il faut juste tourner autour de lui. Toujours être en mouvement, il déteste ça. Le mouvement. Parfait, vous avez vu? Jouer. Et voilà. On va récupérer un petit peu de bien belles choses. Toi. Après, je sais pas. Peut-être qu'ils arrivent à l'infini. Non. Je pense pas. Ouais. Ça m'aurait étonné de pouvoir. Non, non. Bonjour, bonjour. Comme tout à l'heure, on l'a dit. Voilà. On tourne. On tourne et ça le fait. Avec ça, c'est encore pire. Il est moins mobile. Voilà. Ton bourreau. C'est bon, calme-toi. Voilà, mange un petit peu.
Alors maintenant, on récupère ceci. Alors, je sais pas ce que ça va donner, mais... What did I do? Hello? The beat. The rhythm. There's a pattern. Or a language. And who are you? Compelling. Crushing. But it's fragmented. I'm investigating a weird sound that turned people into zombies. Are you part of that? I'm recording. It's a recording. How do I stop it? No. I've recorded it. Take it. Hey, are you texting me from the spirit realm? It's vital you find the other pieces. Restore the beat. Wait, do I know you? On peut dire c'est très psychédélique. Je sais pas ce qu'ils ont pris. Tout ça pour ça. Oui. Alors, calme-toi vite fait. Voilà. Ça va aller vite avec ça. Maintenant, on va aller à l'autre. Alors, on va peut-être pas la faire à 100% l'autre. J'aurais peut-être pas la foi. Surtout s'il faut trouver plein de choses comme de celui-ci. Mais on va y aller pour voir ce que ça donne. Mais faut voir dans quelle direction ils veulent nous emmener. Oh là. Tu veux un massage cardiaque? Ah, j'avoue, c'est gentil, ça. La main sur le cœur, comme ça. J'aime bien les gens comme ça. Dommage, on peut pas les attraper pour les lancer. Un peu comme, vous voyez, Just Cause. Bon, aussi, j'ai un gros problème. C'est dès que je vois des ennemis, je me sens un peu dans l'obligation de... De les attaquer, excusez-moi. Je parle au rythme des coups que je donne. Voilà. Oh, ça fait mal, ça. Oh, ça fait très très mal. Magnifique. Double explosion. Électricité. Plus dégâts enflammés. Oh, j'ai du mal à voir le timing. Hein. Comme je dis, c'est pas évident après une grosse pause sur le jeu. Voilà, les yeux bien rouges, lui en plus. Oh, mais par contre, là. C'est bon, c'est bon. Genre, je vous ai pas invité à la fête, les gars. Toi, reste là. Allez, c'est bon. Parce que sinon, je sens qu'ils vont me... Ils vont m'embêter pendant très longtemps, mais c'est bon. Alors, toi, tout à l'heure, là, t'as joué au fou, hein. Rappelle-toi. Allez. Voulez-vous battre ? On y va. Par contre, j'avoue, la furie, esthétiquement parlant, c'est pas ouf. Elle joue, tu vois quasiment rien. Moi, je trouve qu'elle fait plus mal aux yeux qu'autre chose. Et toi, c'est gratuit. Olé ! C'est bon, on peut avancer. Toi, allez, je te laisse vomir. T'as dû passer une mauvaise soirée. T'inquiète, je suis quelqu'un qui a la main sur le cœur. Non, t'inquiète. Tout va bien. Après, sans doute, il doit y avoir des collectables, hein, comme dans le jeu de base. Des choses qui peuvent faire le 100% et tout. Oui, c'est clair que le premier DLC, si tu faisais que les quêtes principales, tu finissais ça en combien de temps? En 2 heures? Allez, 3 heures maxi, si tu voulais vraiment ton temps. Je pense que celui-ci, c'est dans la même veine. Allons, t'es. Ah, il est joli ton sac. Je te l'aurais bien pris. Il n'y a pas autant de sang. Ah, la colère est déjà prête. Wow, elle se régénère hyper vite. Alors, examine le battement de Lindy. Enfin, logiquement, c'est ici. Ah ouais, ils ont vraiment fait le même principe. Hein. Ils se sont pas pris la tête. Et si c'est via la musique qu'on peut communiquer, les battements, etc., je peux comprendre. Ouais. C'est pas allumé. Allumer la platine. Ah, déjà la platine, t'as juste à suivre ça, logiquement. Si je dis pas de bêtises.
Alors je sais plus du tout. D'accord, la lampe torche, elle allume quasiment rien. Breaker time. Oh non. Boîtier disjoncteur, tu vas pas me dire que j'en ai pas. Toi tu bouges. Caisse à outils. Aïe aïe aïe. Un boîtier disjoncteur. Où je vais trouver ça? Normalement dans les jeux, tu vois, dès que t'as besoin de quelque chose, c'est souvent proche. J'ai bien dit normalement dans les jeux, quand t'as besoin de quelque chose, c'est proche. On va voir si ça se confirme dans celui-ci. Caisse métallique, composant électrique. Ah, peut-être là-dedans. Non. Je vais trouver tout sauf ce que je veux. Allez, soyez gentils. Je veux pas de café, je veux juste la pièce disjoncteur, je sais pas quoi là. Qu'est-ce que ça s'appelle ça? Boîtier de pyrotechnie. Non. Et j'ai vraiment dit. On dirait mon ventre qui gargouille. C'est très très particulier. Non, je pense que ça va être par là. Il faut. Comme tout à l'heure, il faut fouiller. Alors bien sûr, si je prends un peu de temps pour trouver chaque élément, je me permettrai de faire des pauses, voilà, des coupures. Même pour mieux, c'est. Pour vous, pardon, excusez-moi, c'est mieux. Ouh, what? Ok. Tout compris. Tout ce que je peux dire, c'est que ça a fait boum. On récupère des documents aussi. Là, je vais vous dire, mais c'est pas ici que tu vas trouver ton disjoncteur. Parfois, tu peux le trouver n'importe où. Et il faut se dire qu'ici, on a du soin. Mais ce n'est pas là. Ça pique, je sais, ça pique. Le groupe électrogène. Ça fait ça. Mais ça, on s'en fout un peu, non? Oh, un établi, zut. Je pensais vraiment avoir trouvé quelque chose d'autre. Caisse à outils. Attends, mais est-ce que ici on peut fabriquer? Non, ce que je voulais, malheureusement, on peut pas. Je vais mettre des munitions. Voilà, comme ça. Excusez-moi. Je sais ce qu'il faut avec mon arme. Ne jamais sortir sans son arme. Toujours être protégé. Logiquement, ça s'ouvre maintenant. Genre, c'est remagnétique. Tu me prends pour qui là? Ça a été pété aux... Ah oui, là, la porte est ouverte. Excusez-moi, hein, je suis un peu lent. Ça m'arrive. Ce qui est très drôle, c'est que je récupère tout sauf ce que je veux. Et ça m'arrive très souvent dans les jeux que je suis à la recherche de quelque chose, mais je trouve tout sauf ce que j'ai besoin. On peut pas voir ici. Est-ce qu'on peut aller en dessous? Non. Mais ça va le faire. Oh là là là. Deux petites secondes. Laissez-moi observer tout ça. Au pire, on peut y aller, hein, même si ça picote, j'ai envie de dire. Ça va pas nous tuer, bien au contraire. Allez, tu fais ça. Mais. Ah bah, elle est là, la batterie. C'est pas grave. Ah toi, petite picouse. Non mais c'est pas possible.
restez là, vous allez voir que mon instinct de mémoire, ma mémorisation est folle. Et voilà. Voilà, je vais vous la laisser le passage. Parce que... ça va, on n'a pas trop galéré non plus. Bonjour. Est-ce qu'ils peuvent me suivre? Non. Tant mieux. Alors, où est-ce que c'était? Non, c'était ici. Ça pour ça. Hein. Super, merci. On va essayer de passer par l'autre côté. Tout le monde en scène. Ah bah ouais. Allez. On n'est pas à 2 ou 3 électrocutions. Allez hop. Ouais, là je me prends pas la tête. Hein. Je sais qu'il y avait un moyen sans doute de pas se faire électrifier et tout. Ah oui, j'ai oublié que ça c'est l'ennemi qui est puissant. Ouais, puissant au début. Quand vous avez vu, il est pas ouf. Bah, c'est souvent comme ça dans les jeux. Quand tu rencontres un nouvel ennemi, parce que ça c'est un nouvel ennemi qu'on n'avait pas dans le jeu de base. Très très chaud. Et après, bah, tu te rends compte que un ennemi basique, c'est peut-être un peu plus puissant qu'un qui est simple, mais... Allez là. Laissez-moi travailler s'il vous plaît. Isoler le bâton. Attends, avant d'isoler, on va s'occuper d'eux. J'ai bien eu raison de me prendre des munitions là. C'est que j'ai bien aimé aussi avec The Dead Island par rapport à Daylight, on a des armes où on peut tirer. Que dans le 2 je crois pas qu'on en avait, à part s'ils ont fait une mise à jour. Ouais. Ici. On y va. Alors même avec la furie, on la tue pas aussi facilement. C'est bon. Et voilà. Bah, j'ai préféré ce passage que le premier. Non mais vas-y, on va récupérer ça après. Maintenant qu'on a compris le fonctionnement, qu'il fallait fouiller. Merci. On gruge jusqu'au bout. Beat. A call? Yeah. Look, we've done this before. You texted me a recording of this beat. Oh. You can transcend different realities. Clever of me. It transcend, clever, right. Look, I'm sure I know you. I know someone like you. Different realities. But the same song. So how are we able to talk? The walls are thin there. Scraped thin. You know what? I have no idea what I'm doing. Find the whole beat. You're the key. Oh, this is crazy. I need to talk to Grace. On va lui en parler tranquillement. On retourne voir Grace. Il récupère tout ça, merci. Merci. Et comme ça, bah, la vidéo découverte sera finie sur le DLC. Alors bien sûr, c'est pas la fin du DLC. Hein. Comme je vous l'ai annoncé... elle a une durée de vie quand même qui est au moins de 2 heures minimum. Elle est quand même jolie, moi j'aime bien quand tu t'arrêtes comme ça là, tu vois le plan. Par contre je vais pas perdre de temps à m'occuper d'eux. Au pire, juste pour le plaisir. On a assez combattu. Je pense que vous êtes tous d'accord pour valider ce que je veux dire. What? Vite, parce que eux vont pas me laisser tranquille. Vite, cours, il est juste derrière. Pousse-toi, toi. Eh bah ouais, je suis en sécurité ici. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pousser la grille autant que tu veux, t'y arriveras pas. Tu fais ce que tu veux, mais t'y arriveras pas. Toi aussi, là. Moi aussi, je vais le faire. C'est jamais bon de provoquer des ennemis comme ça, mais bon, on profite un peu. Voilà Grace. You're back. Everything is really fucking weird. I know. Weird speakers, weird glowy shit, weird sound.
You heard it too. I heard something. And this woman spoke to me. In your head? Nah, but she just appeared from somewhere. It was kind of like I was tripping balls. You see anything like that? No, but this place, it's special. I've mapped it all out. Strange things have always happened here. Oh, yeah. Great place for a festival. I warned them. They called me crazy. Now they're dead. Right. Well, I think I'm onto something with this woman. I'm gonna go to the main stage. No, it's still there. It wants me, and it's getting stronger. Then the sooner I go, the better. For me and you. Head through the Ika village. But it will be waiting. Je sais pas trop ce qui m'attend, mais ça doit être du lourd. Et si vous voulez voir la suite, bah peut-être que je ferai la suite en live sur Twitch. Si vous voulez voir la suite du DLC, ou après il y a d'autres personnes qui le feront, ou faites-le de vous-même, c'est bien aussi de le faire soi-même. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai un peu galéré, mais je vous ferai une vidéo digeste. Dites-vous que j'en ai eu pour 55 minutes en tout, et à la fin la vidéo tournera 25-30 minutes, donc je prendrai pas mal de moments. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Allez, salut!